Bonjour à tous, c'est moi, Sandrine. Bienvenue sur astroéthique.fr, le site qui vous connecte à vos alliés d'évolution. Qui sont vos alliés d'évolution Eh bien, ce sont les planètes, c'est l'univers tout entier qui est là et qui nous parle, et les énergies des planètes qui sont mises à notre disposition pour que nous en fassions quelque chose. Et je suis là pour vous en parler. Alors aujourd'hui, on va parler de, euh, de tout ce qui se passe en ce moment dans le ciel, parce que c'est comme si une grande porte s'était ouverte depuis lundi, et il euh, y a plein de choses à faire avec toutes ces, ces énergies. C'est des vitamines en fait que les planètes nous offrent en ce moment. Alors la première, euh, la première bonne nouvelle, elle a commencé donc lundi avec la nouvelle lune, euh, le fait que donc euh, ben, qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, puisque c'est la conjonction du soleil et de la lune, et ça équivaut à une fécondation, et donc ben c'est euh, un germe vers la nouveauté. Euh, ensuite, euh, nous avons eu, enfin, en même temps, euh, Saturne qui est redevenu direct. Saturne en scorpion. Scorpion, signe d'authenticité. On ne peut plus se mentir. Saturne, c'est la réalité. Le scorpion, c'est l'authenticité. Saturne redevient direct en scorpion. Il est temps de faire face à la réalité, de regarder les choses en face telles qu'elles sont. Et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Ça c'est très important. Il faut sortir de l'illusion et il faut se dire ben bah, ça y est, c'est le moment. Je suis prêt, je suis prête et je peux y aller et je peux me connecter à ma vérité, à ma vérité intérieure profonde. Je suis authentique, je suis vrai avec moi-même. Je ne me mens plus. Hein, le Scorpion ça triche pas, c'est toujours vrai. Et Saturne, Saturne qui redevient direct, mais il arrête de nous freiner. Sa marche en avant, nous permet bah, d'avancer à nouveau, de construire lentement mais sûrement sur des bases plus stables, plus saines. Donc c'est une excellente énergie. Il ne faut pas tricher avec cette énergie-là, mais si vous y allez, croyez-moi, je vous assure que les résultats seront extraordinaires. Donc vous regardez au plus profond de vous-même, vous vous connectez à vos émotions, à votre intuition, à votre savoir intérieur, à, au langage de votre corps, au langage de vos émotions, et vous allez dans le sens de votre vérité la plus profonde, sans tricher, sans mentir. Et là, vous avancez avec Saturne qui repart en marche avant et vous construisez du solide, du durable. Autre énergie qui a démarré cette semaine, eh bien c'est le trigone entre Uranus et Vénus. Alors ça, ben, c'est un renouveau, un renouveau sur le plan sentimental, mais c'est aussi un renouveau sur ce que vient nous dire Vénus, Vénus, la planète de l'amour, des émotions, de, de ce qui nous tient à cœur. Vénus en Lion, nos passions. Donc Authenticité d'un côté avec Saturne en Scorpion et Vénus en Lion qui nous connecte à ce que nous aimons à ce qui nous fait vibrer et là mais quest mais quelle que soit la chose qui vous fasse vibrer l'être ou la personne la passion voilà avec Vénus en, en Lion il est question de passion et eh bien cette Vénus en Lion elle vient nous dire euh, qu'il faut aller dans le sens de nos passions de ce qui nous fait vibrer de notre intensité de Là où on est, ben c'est là qu'il faut aller, qu'il qu s'agisse d'une personne, d'un être, d'un projet qui nous tient à cœur. Et c'est d'autant plus fort que Vénus euh, est accompagnée de la Lune, de la Lune qui est rentrée, elle aussi, en Lyon. Et donc, ben, tout va dans le sens d'aller, dans le sens de nos passions, de nos, de ce qui nous fait vibrer. Voilà, soyez l'acteur de votre vie, l'acteur ou l'actrice. Avec le signe de Lyon, on met en scène, on crée. Euh, le signe du lion, c'est le spectacle, c'est le théâtre. Alors ben voilà que le show commence, quoi. Allez-y, foncez, donnez-vous les moyens, soyez ambitieux, voyez grand et vous allez voir ça va fonctionner. Autre fait marquant, qui est très intéressant, c'est Mercure qui rétrograde, qui est conjoint au Soleil en cancer. Donc, Mercure rétrograde, ben je vous l'ai dit, c'est classez vos idées, mettez de l'ordre, mettez de l'ordre dans vos pensées, euh, faites la part des choses entre vos pensées, ce qui vient du mental et ce qui appartient à vos émotions. Ne confondez pas les projections de votre mental qui peuvent amener des peurs. Et puis vous vous dites, ah ben voilà, mon intuition me dit ça, mais en fait, ce n'est pas votre intuition qui vous dit ça, c'est vos peurs. Voilà, alors surtout si vous êtes très mental, hein, parce que voilà, là, alors là vous vous trompez complètement, ce n'est pas votre intuition qui vous dit ça, c'est votre mental et ce sont vos peurs qui, par un filtre très mental, vous font voir votre avenir en négatif, alors que pas du tout. Et donc, euh, Mercure, qui est rétrograde en cancer, il nous fait faire le tri nous fait faire le tri dans nos papiers, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos émotions, un tri sélectif hein Il va aussi lui dans le sens de Saturne en scorpion. On nettoie, on se débarrasse. J'aime, j'aime pas. Ça ça me plaît, ça me plaît pas. C'est vraiment l'énergie du moment. En ce moment, cette semaine, vous devez vous connecter à vos ressentis et faire le point sur ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Cette semaine, c'est vraiment ben allez, quelle est ma vérité euh, Est-ce que là je suis bien Est-ce que ça j'aime bien Est-ce que ça ça me va Et je pense que la vie va vous proposer des situations qui vont vous permettre de, de choisir, de faire ce tri. Et donc, Mercure rétrograde conjoint euh, au soleil, à la rencontre du soleil, le soleil, l'astre de lumière, c'est pour y voir clair, tout simplement. Lorsque Mercure rétrograde euh, conjoint euh, le soleil, re rencontre le soleil, et, bien, et la lumière fut, on y voit clair. Voilà, et pour y voir clair, eh bien, le soleil, euh, ben, ça renvoie au signe du lion, et ben, là, où vous, là où ça vous fait vibrer, est votre vérité. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour votre soutien. J'ai reçu des nombreux messages d'encouragement. Apparemment, ces petites vidéos, ça vous plaît. Et ben donc voilà, c'est génial. Moi aussi, je m'éclate. Je suis super contente. Vous voyez, moi, je vais dans le sens de, du lion. Voilà, bon, je suis le lion en même temps. Alors voilà, je voulais vous envoyer plein d'amour. Vous dire euh, ben, de, de garder espoir, de rester positif. Ça bouge dans ce moment dans le ciel. Ne vous découragez surtout pas. Si ça bouge, c'est pour une bonne raison. La vie est bien faite l'univers fait en sorte que vous bougiez, que vous, avez, vous avanciez dans le sens de votre vérité, vous avez choisi de vous incarner à une époque où tout bouge, et ben, c'est normal que le bateau tanque de temps en temps. Mais c'est pour aller vers votre lumière, vers votre vérité intérieure, et vers ce monde nouveau qui est en préparation. Je vous fais plein de bisous d'amour et je vous dis à très vite Love